Good morning, Aliyah. Et Solvanish, le bête d'Elmar, c'est aussi des une prochaine qui nous a contacté la communauté éternelle. Nous étions à Serge Devot, Vav, Mishnah Vav, Loye Batel, Adam, Ipere Verivia, Elam Ken, Yesh, Lobanim. Bête Jamayum Rimishin, Zacharim, Bet El Omrim, Zachar Ben Ekeva. Chenemar Zachon Keva, Braham, Nasaisha, Veshaïma, Shnemasar, Esser Shanim, Veloya Lada, Eno, Ashaïli Batel, Geresha. מותרת להינשא לאחר, ורשאי השני לשהות עמה 10 שנים, ואם היא פילה, מונה משעה שהיא פילה. האיש מצווה על פריה וריביה, אבל לא האישה. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, על שניהם הוא אומר, ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים פירובו, ומלוא הארץ וכבשוה. ורפלד דון המשנה דלה מצווה דה פריה וריביה, למצווה דבואר דה זנפון, קומביין פוטיר הנבואר, כסון דבר כמוסון אבק נפיים כפת דנפון. Et la Mishnah commence à me dire, Loi batel adam ipiria verivia. Un homme n'a pas le droit de s'abstenir d'accomplir la mitzvah ipiria verivia. Il a envie de rester un jeune homme toute sa vie, sans se marier. Ça lui convient. Eh bien, il n'a pas le droit. Il a une obligation d'accomplir sa mitzvah. Ça rappelle une ramène dans l'Rambam, depuis l'âge de 20 ans, on a le devoir d'aller se marier, si vous savez. Il y a spécialement pour ceux qui étudient la Torah, hein, depuis avant et qui veulent continuer, alors ils ont le droit de tirer un peu plus d'années. Parce que Asuk ba mitzvah, patour mina mitzvah, et dans la mesure où, s'il se marie ensuite, il risque de ne plus pouvoir étudier la Torah comme quand il était jeune, il a déjà une charge familiale, donc on le permet. Mais sinon, en théorie, obligé de se marier depuis l'âge de 20 ans. Et à cause de la mitzvah de Pirah Verivia, c'est le moment de l'accomplir, se reproduire, et puis, Elam Ken Yesh Lo Banim, maintenant, le seul est pire que ça, on a l'obligation de l'accomplir cette mitzvah tout le temps. Et là, Imken Yash Lobanim, ça aussi, il a de toute façon déjà des enfants. À partir du moment où il a une quantité d'enfants, qu'on va expliciter tout de suite, alors il n'a plus l'obligation de se soucier d'avoir plus d'enfants. Et c'est quelle quantité d'enfants? Betchamay Omrim, Shnei Zacharim. Selon Betchamay, il faut deux garçons. S'il a deux garçons, ça y est, il n'a plus d'obligation de se marier avec une autre femme. De continuer à se marier ou de s'efforcer. Et deux garçons, ça c'est déduit de Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, quand il a deux enfants, il s'est séparé de sa femme. Discuter, est-ce que c'est une preuve? Selon Bachamay, c'est ça la preuve. Selon Bethilel, il ne faut pas deux garçons, il faut un garçon et une fille. Soit, s'il a eu deux garçons, il faut continuer à avoir une femme pour pouvoir se marier. Imaginez qu'il a eu, preuve de Shalom, il a eu 5 garçons et qu'après sa femme décède, par exemple. Il a l'obligation de reprendre une femme, dans l'éventualité, d'avoir une fille avec elle. C'est l'obligation d'avoir un garçon et une fille au minimum. Chez Neymar, comme nous dit le Pasouk, Zachar Unkeva Abraham, le Pasouk qui nous raconte sur la création du monde. Qu'Hachem, il a créé un homme et une femme en même temps. Donc, si Hachem, quand il a voulu créer une quantité d'humains minimale, il a créé un homme et une femme, moi, mon devoir de me reproduire, c'est d'avoir aussi un homme et une femme, un garçon et une fille. Ok? Autre sujet. Nasaïcha, il s'est marié avec une première femme. Vesha, il m'a eser shanim lo yalada. Et il est resté avec elle, il a attendu pendant 10 ans. Velo yalada, elle, malheureusement, elle a toujours pas eu d'enfant. Et no, racha, il est battel. Il n'a pas le droit de dire, bon, écoute, c'est comme si. C'est comme ça, je reste, tant pis. Non, il a l'obligation de se soucier d'avoir des enfants. Ça implique à l'époque où il pouvait prendre une deuxième femme, il doit prendre une deuxième femme. À notre époque, il a l'obligation de divorcer, de se marier avec une nouvelle femme. Et concrètement, aller voir les rabbanim si, chas v'shalom, ça se produit. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Parce que des fois, c'est compliqué. D'accord? Donc, Enrachel, il a l'obligation d'avoir des enfants. Si elle est restée 10 ans. C'est déduit d'où ces 10 ans? C'est déduit d'Avraham Avinu. Avraham Avinu. En fait, il est resté 20 ans marié avec Sarah sans avoir d'enfant. Il est resté 10 ans quand il était en Haran. Et après, il est resté 10 ans quand il est en Israël. Et après, il n'avait toujours pas d'enfant. Hein. Alors, Agar, Sarah le dit, prend Agar, il s'est marié avec Agar. Et après 10 ans, après, il a même eu des enfants avec Sarah. D'accord? Peut-être que les dates, elles ne sont pas exactes. Mais c'est à peu près ça. Ouais. Un peu plus. En tout cas, il a passé donc 10 ans jusqu'à 10 ans d'Israël. On déduit d'avoir maintenant qu'il a passé en fait 20 ans, parce qu'en fait on compte 10 ans en route l'arrêt, plus 10 ans d'Eretz Israël, parce qu'on va supposer que le fait d'être venu en Israël, ça va lui augmenter le mérite, ça va lui donner l'éventualité d'avoir 10 ans. En deux mots, en fait, quelqu'un qui veut se marier, qui se marie avec une femme, en France par exemple, il passe 10 ans, il n'a toujours pas eu d'enfant. Si elle a envie de contourner le problème de la divorcer, la pauvre, eh bien, il peut monter en Israël, et maintenant, on va espérer qu'avec le Zrout de Retz Israël, il va finir par avoir un enfant. Ok? C'est déduit donc d'Abraham, comme on a dit. Ensuite, Geresha, si toutefois, donc elle n'avait pas d'enfant, il a divorcé.
Qu'est-ce qu'elle fait cette pauvre femme? Est-ce qu'elle a le droit de se marier avec quelqu'un d'autre qui n'a pas d'enfant? Ou bien non, ça y est, elle a déjà fait ses preuves que cette femme elle est stérile. Eh bien la Mishnah m'enseigne Mouteret l'inacelle à faire. Elle a le droit de se marier avec une autre personne qui pourra essayer d'avoir des enfants avec elle s'il n'a pas d'enfant. Et le deuxième a la possibilité de rester avec elle durant 10 ans aussi, de nouveau. Ok, il attend de nouveau, il remet le compteur à zéro. Alors là, il y a une petite discussion en fait dans les Rishonim. Le partenaire il dit une certaine chose. D'abord, je veux dire ce qui a marqué dans la Gemara. Comment c'est possible si la femme elle a fait ses preuves qu'elle n'est pas capable d'avoir des enfants quand elle était mariée avec le premier? Peut-être que comment on va lui permettre de se marier avec le deuxième? Le deuxième aussi n'aura pas d'enfants si elle est stérile. La réponse elle est, Rachid explique comme ça. Peut-être que le premier n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants d'une femme si pieuse. Alors que maintenant, pieuse ou pas, peu importe, il n'a pas eu le mérite, mais peut-être qu'avec une deuxième personne, alors elle va avoir le mérite des deux, ça va faire qu'ils vont réussir à avoir des enfants. Selon Barthénora, c'est un peu différent, ça va selon Rambam, qui explique différemment qu'on parle que la femme, elle prétend que c'est à cause du mari qu'ils n'ont pas d'enfant. Qu'il est dans le moment intime, il n'a pas une érection assez forte pour avoir des enfants, et c'est pour ça qu'elle a un enfant, elle prétend que c'est à cause de lui, c'est pour ça qu'il doit lui donner la ktouva pendant qu'il y a un divorce, elle aura de se marier avec quelqu'un d'autre. Ok? Encore un autre détail, Vehim Epila, si maintenant, durant ces 10 ans, elle a eu une fois, elle est tombée enceinte, mais Hippila, Vehim Hippila, elle a fait une fausse couche. Alors, Moné Mishaach et Hippila, on démarre le décompte des 10 ans à partir du moment où elle a eu la fausse couche. On finit avec la Misa de Pereverivia en expliquant que Aish Metsuve al Pereverivia, l'homme a le devoir d'accomplir la Misa de Pereverivia de son produit, tandis que Avallo Haisha, la femme n'a pas l'obligation, c'est-à-dire une femme. Si elle est mariée avec un mari qui ne lui donne pas des enfants, mais que le mari il a des enfants de toute façon de par ailleurs, elle ne pourra pas réclamer de divorcer pour aller se marier avec quelqu'un d'autre, parce que peut-être qu'elle pourra avoir des enfants. Elle n'a pas de. Parce qu'elle n'a pas de mitzvah d'accomplir la Pereverivia. Ça, c'est la vie de Tanakama, c'est comme ça que c'est retenu pour l'Alacha, c'est du Pasuk. Pérou, Urbu, Minou, Ataret, c'est Kiv, Shuwa. Le même ordre de la Torah qui nous dit de nous reproduire et de remplir la terre pour conquérir la terre. Et c'est qui conquiert la terre? C'est les hommes et pas les femmes. Et de ce fait, on déduit de là que les femmes n'ont pas l'obligation de Pereverivia. C'est que l'homme qui l'a. Elle a besoin de la femme pour accomplir sa mitzvah. La femme, elle va aider son mari à accomplir sa mitzvah. Mais elle n'a pas elle-même l'obligation au point de pouvoir demander le divorce pour avoir des enfants. Bien que concrètement, la Gemara raconte qu'en réalité, la femme peut aussi demander le divorce parce qu'elle a quelqu'un d'autre pour avoir des enfants, dans la mesure où elle peut se soucier qu'est-ce qu'elle fera quand elle sera vieille, qu'il n'y aura plus personne qui pourra la nourrir et se soucier d'elle. Surtout à l'époque, il n'y avait pas les caisses d'allocation, je ne sais pas quoi, des retraites. Donc une vieille femme, un vieux monsieur, il devait vivre sur le compte de petits-enfants. Et elle avait le droit de se plaindre et dire elle se soucie de sa vieillesse. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Al-Shneem Omer, Rabbi Yochanan ben Broka nous dit que sur les deux, la mitzvah nous dit Vaivarechotam Elohim Vayomalem, Perurovo. Il nous rapporte un pasouk explicite, sans nous rapporter à la fin du pasouk, on dit Vayomer Vaivarechotam Elohim Hashem, il les a bénis aux deux, à Adam et à Chava, les deux en même temps, il les a bénis en leur disant reproduisez-vous. Donc, il déduit que la mitzvah incombe aux deux. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol, Tuv, Selah.